Bonjour à tous, bienvenue sur Civilisation 6 dans un monde radioactif. Bonjour Ishkul, le maître de la bombe. Tu vas bien, c'est l'épisode 37 aujourd'hui. Allez, on est parti mon grand. Est-ce que tu sais ce que tu dois faire toi? Ouais, je capture les villes qui sont à moi là, Pazik. Je veux la capturer et je prépare un assaut amphibie pour Uruk. D'accord, je vérifie juste ma troupe, moi, du côté babylonien vers Hong Kong. Lui, il va à Régène, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Est-ce que Amsterdam est une cité-état alliée? Tiens. Amsterdam, elle est avec qui? Aucun suzerain? Ah, bah, je vais la prendre. Bon, lui, il va à Régène. Moi, j'ai un combat aérien à la Valette. À moins que je fusionne avec ça. Un combat aérien à la Valette. La Valette, je ne sais plus où c'est, hein. Alors là, on revient dans le jeu, mais longtemps, on a eu du mal. C'est vers où la Valette? C'est de ton côté? Ouais, ben, en ce moment, il s'est lancé. Bon, bah, de toute façon, écoute, je fais mon petit tour. Alors, pour la petite histoire, on n'a pas pu faire de civilisation plus tôt. Parce que, ouais, comme je racontais dans l'Astronir, t'as eu un accident dans ton quartier et il n'y a plus de courant électrique. On n'a pas pu se voir. C'est fou. Ouais. On a prévu 4 heures de réparation, mais il y en a eu. Ah. C'était chaud. Tiens, je vais me dire. J'ai allé au restaurant pour manger pour être capable d'aller travailler. La galère. La galère, absolument. Je me suis payé un PFK. Un PFK, c'est quoi ça? Poulet frit Kentucky. Alors, ça va pas être mauvais ça. Ouais, c'est un peu gros, mais c'est bon. Ah. Non, je peux pas aller faire salpêtre, je bougerai après. On est en guerre avec les sites encore ou pas? Ouais. Ah, donc j'ai un ouvrier site que j'ai capturé, c'est cool. Ah oui, j'ai. Pendant des sites, ben, ils ont perdu. Ils ont eu une ville bousillée. Ouais. Pour l'info, est-ce qu'il y a encore des sites qui t'embêtent ou est-ce que mon armée n'a plus à être sur ton continent? Non, pour l'instant, là, ils sont complètement dans la débâcle. Bon, bah, j'amènerais bien mon hélicoptère. Tu veux me laisser ton tank, ça serait bien. Ouais. Ouais, parce que je vais amener l'hélico. Il est là. Oh, punaise. Voilà. Je vais amener un hélicoptère de loin. Ouais, je te laisse le tank. J'ai quoi? Un tank ici, ça me va. Et puis j'ai un lance-missile SAM, par contre. Le lance-missile SAM, c'est pas celui qui lance des gros missiles, je pense pas. Non, lui, c'est les missiles anti-aériens. Ouais. Bon, bah, on va amener tout ça par là. Quoique, c'est vrai, est-ce que j'ai fait un aéroport? On parlait d'aéroport pour les téléporter. Faut que je me mette dedans. Production. Bah, plutôt les transporter, là. Ouais. Production, acheter, aéroport. Non, je peux pas acheter un aéroport. Pourquoi? Monument réparé. Alors, les villes que j'ai capturées peuvent pas. Est-ce que Londres... Ah, un aéroport, où est-ce que je peux acheter un aéroport? On peut acheter un stade. Aérodrome. Ah oui, il faudra faire un aérodrome pour faire l'aéroport ensuite, c'est ça, hein. Ouais. Et pourquoi je peux pas faire l'aérodrome? Nécessite une population de 19 ou plus. Ah ouh. T'as déjà fini. T'as un croiseur lance-missile qui traîne à rien faire, là. Ah, je regarde vite fait mes villes. J'ai Paris qui peut faire un aéroport. Fais gaffe, ton. Mes troupes. Ouais, c'est ça. Ouais, t'as un croiseur lance-missile entre Olonet et la Valais, Archangel. Non. Tu vas le faire monter vers le nord. Voilà, un aéroport est fait. C'est bon, à Paris. Écoute, je regarde vite fait mes troupes ce qu'ils me demandent. Puis ça va être bon, hein, je pense. On va faire des champs. Forêt ou champ. Oh, Hong Kong, il y a un chasseur en réaction, tu mets tes troupes. Ah non. Ouais, il t'arrête de tourner. Alors oui, il y a mon char qui est à côté, c'est vrai, de Birmingham. C'est celui-là que tu veux qu'il reste pour l'instant. Bon bah écoute, je vais te donner un coup de pouce. Hong Kong, continue, t'es presque fini d'éliminer le camp militaire. Oui, c'est l'objectif aussi, hein. C'est chaud, hein, quand même. Des unités anti-aériennes, là, place-les comme il faut, là, ça sera en réaction dans le coin. Alors j'ai une plaine, je vais faire un outback. J'ai encore des bâtisseurs. Alors là, j'ai quoi qui débarque? Oh punaise, oui.
va faire des sacrés dégâts. Mais heureusement, il peut attaquer qu'une seule fois par tour. Donc, tu peux l'avoir avec tes aériennes ou sa soeur dans le coin. Là. Ouais. Passer son tour. Je regarde. J'ai encore plein de troupes. Hein. Et pourquoi j'ai envoyé un colon là-bas? Eh ben, on fonde une nouvelle ville. Albury, tout au nord de mon continent. Monument, grenier, voilà. Bon. Par contre, je n'ai pas d'armée pour la défendre, ça serait un peu chaud. Je vais faire un hélicoptère. Excuse-moi, je suis encore en train de gérer un peu mes trucs. Est-ce que je peux acheter un hélicoptère? Je peux acheter. Allez. Il apprend production. On va envoyer une défense. Tata. Ouais. Je sais. On va faire une infanterie mécanisée. C'était pas prévu que je fasse une nouvelle colonie. Voilà, le tour passe. Bon, content d'y être. On approche de la fin, quand même, j'espère. Dès que les Babyloniens, on les aura bouffés, il n'y a plus de problème. Évidemment, il y a encore un truc qui passe pas. Ingénieur militaire. J'ai un ingénieur militaire qui m'embête. Et là, j'ai quoi? J'ai un inquisiteur. Pouf, 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 pouf. Faire ce travail à Bourne. Oh, j'ai un sous-marin qui a pris une claque. Voilà. J'ai encore des unités. Crabe. Crabe. Ah, allez. Tu vas trouver ça horriblement long, mon pauvre. Supprimer les hérétiques. Oui! Premiers hérétiques. Il n'y a plus d'hérétiques ici. Là, on est bon. À Sydney, il y a des hérétiques. Allez, on va à Sydney. Je suis dans les inquisitions, là. Pour te mettre dans le scénario. Est-ce qu'on a regardé le chrono, au fait? Ça fait quoi? Non, j'ai pas parti. Non, non, mais c'est bon, là, je vois à peu près. Avec toi, c'est trop là. On fait quasiment un tour par épisode. Est-ce que c'est ma faute d'être trop gros? Hein? Voilà, ça y est. Non, toujours pas. Ah, mais j'ai encore plus. Tu vas réunir tes troupes, t'en plus fort réunir. Ouais, mais pourquoi quand je passe un tour, il y a toujours des petites unités qui traînent? Cette fois, c'est bon, hein, Richcool. Alors, t'as vu un avion en réaction? Oh, punaise, oui. Mais j'ai des canons anti-aériens. J'en ai deux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer mon blindé ou pas? Ah, c'est le campement militaire qui m'attaque. Ah là 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 là. Pas trop pris de dégâts. Ah, mon canon ne tient à rien. Ah, mon médecin. Punaise, punaise. C'est où ça déjà un camp? Je suis à Hong Kong, je regarde un peu les attaques qu'il me fait. Si Hong Kong tombe, je te jure qu'après je rase toute la côte ouest de la Babylone. Bon, j'ai l'impression que ça va être à nous. Tu vas pouvoir profiter pour upgrader tes artilleries en lance-roquettes. Ouais. À moins qu'on fasse un épisode de 45 minutes, on est fou, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, ça t'aide mieux même. Ah, maintenant, on pourrait faire ça. Hein. Tant pis, mon cher ami, si aujourd'hui on fait qu'un seul épisode, mais on pourrait voir ça. Centrale électrique. C'est où ça? Ah bah oui, allez. Qu'est-ce que j'ai construit? C'est quoi ça? Un croiseur lance-missile? Je sais fabriquer des trucs comme ça, moi. Bah, apparemment. Punaise, ça rigole plus, là. 4 accords proposés. Attends, je regarde un peu ce qu'ils me disent, je crois que j'ai la peau. Crois-moi, c'est les meilleurs, ceux-là. Ah ouais, pour les défenses à raser, oui. Ben, non seulement ça, mais ils ont une très longue portée. Ah, la polonaise veut mon uranium, va te faire voir. Oh que non. Oh que non. Oh que non, s'il te plaît. Ah, elle est mignonne. Là, je suis où, alors? Moi, je suis prêt à attaquer la valette. Tu es prêt à attaquer la valette? Pas moi. Attends 2 secondes. Je suis pas prêt. Est-ce que je peux faire encore un blindé moderne? Voilà, on va faire des blindés. Alors, la valette, c'est où exactement? C'est dans mon coin, vers le milieu. C'est une cité-état. C'est une cité-état. J'ai Jakarta, Jérusalem. Genève. Breslav. Ah oui, je vois Breslav. Ah oui, ça y est. Oh là là, j'avais oublié. Ok, j'y suis. Valette. Ok. Ouais.
Parce que c'est une cité-état, ça. Tu veux l'attaquer? Pas la cité-état. Ah oui! Vu. Voilà, ils sont en repli. On va vers Pazirik, du coup. Tu continues d'observer? Oui. On est de côté d'assaut contre une petite bombarde. T'es un peu sadique. Écoute, j'ai un char et une mitrailleuse vers toi. Ils vont te suivre. On va faire ça. Oh, je vais améliorer mon blindé moderne, mon armée de blindé en blindé moderne. T'as du bol, attends, faudrait que je regarde ça aussi si je peux faire. Une merveille a été achevée. J'ai fini le stade Marcania. Ah. J'ai vérifié la valette. La valette toujours. Tu as quoi la valette? Il y a une petite infanterie qui va recevoir quelque chose sur la tronche. Vas-y. Je la vois l'infanterie. Ah, t'as envoyé la validation. Chasseur à réaction. Bombardier! Non, pas one shot, mais tu as fait pas mal de dégâts. J'adore les bombardiers! 51. Ouais, c'est ce qui me manque, je sais. Mais je suis plus dans les bombardements avec les bateaux lance-missiles, là, ça va me plaire, je pense. La Reslav? Juste en dessous, oui. C'est bon? Ouais. Qu'est-ce qui t'embête chez eux? Parce que je vois les Polonais missionnaires. Tu as quelqu'un du coup? Ouais, il y a une unité chimérienne, un t-shirt chimérien qui a voulu. Ah oui, parce que je l'ai pas vu. Être un peu trop curieux. D'accord. Alors j'ai une promotion d'unité, l'artillerie. Est-ce que je peux toucher Hong Kong? Je peux toucher Hong Kong. Nous on va. Bon, qu'est-ce qu'il y a deux, ça veut? Il faut que je détruise ce camp militaire. Alors attends. Oh! Tu sais, Edwidge, la fille de la oui. Pologne, oui. Elle est nécléophile, puis elle est heureuse, elle est très contente que vous ayez pulvérisé une ville avec les bombes. Oh, j'ai mon lance-missile qui est arrivé en régiment pour le camp, oui, à Hong Kong. Ça y est, je suis comme toi. J'avais oublié que j'avais ça. C'est tout. Ok. Oui, on va le laisser là. J'ai un régiment ici de scout, lui il va se ramener ici. Il va fusionner. Ah, je fais des gros régiments finalement. Là, il n'y a pas le choix contre Babylone. Défaite majeure si j'attaque. Mince. Ah oui, je pourrais améliorer en blindé moderne. Crotte de bique. J'envoie mon sasseur contre Sparra. Ah, j'essaie d'attaquer le campement à Hong Kong là. Faut que ça tombe. Allez. J'ai réussi à l'avoir. Oui! Oh, la bonne nouvelle! Hey, t'as eu le campin, bravo! Ouais. Alors là, par contre. Ah bah, ça rigole plus. Un petit régène. T'es vraiment bien placé, ce campement-là. Ouais. Ah oui, oui. Mais gaffe, on s'en sort au nord. Oui, mais j'ai pas de risque. J'ai des canons anti-aériens. Je vais le greffer dessus. Ouais, c'est bien. Ouais. Là, je pense que ça y est, ça va tomber à cet épisode. Tu vas lui envoyer un bombardier? Ouais. Je regarde vite fait mes autres contacts diplomatiques, je finis ma gestion après. Alors, les Norvégiens, notre puissance aérienne est impressionnante, mes compliments. Ah, ils aiment bien les aviations, eux. Ça fait un petit truc positif pour eux, ouais, s'ils veulent. J'ai quoi encore? Tomiris. On la poutre ou tu veux faire la paix? Tomiris, je t'arrête de la poutrer. D'accord, je refuse l'accord. Salut, ma belle. T'es prêt à filmer à Sipar? Alors, Sipar, c'est en Babylonie, ça. C'est dans le nord. Là? Oui. Avion. C'est un beau les avions en réaction. Ouais. J'aime bien les bruits aussi. L'enregistrement est nickel. Ok. Tu as d'autres actions? Dis-moi, je te suis. Hein. Pour nos chers viewers, bonjour YouTube, quoi. Non, là, pour l'instant, je suis en train de placer mes unités, là. D'accord, je regarde le dernier contact. Gilgamesh me fait un accord, pourquoi? Adab, oui, j'y suis. C'est bon, j'ai pas réussi à lancer l'accord de Gilgamesh.
La City a vu sa capitale prise par l'Australie. Ah, c'est moi. D'accord. Alors, ce camp, là, tu l'as rasé ? Ouais. Ça y est ? C'est que ça mais je le laisse là parce qu'il est en position de défense. Détruit tout ennemi qui tente de s'approcher de mon territoire. Ouais. Alors, gestion des habitations, du coup, je suis un peu... Bon, où sont les... Oh, à Vilnius, ça va pas. Ah oui, j'ai une invasion là, de la part des de la Pologne, une invasion que hop type de la foi. Ah. Un réseau d'égouts, tiens, plus 2. Ah, c'est bien ça. Ah. Donc, j'ai des gros problèmes au nord de Solimask. 2 secondes, je vérifie juste de la surpopulation, mon cher. 8, 9. Ouais, là, ça va encore. Un réseau d'égouts, hop, on passe à 11. J'achète des égouts là en ce moment, j'ai les moyens encore. Et j'arrive. Ah, les zones, ils sont limites. Ah bah en production. 5, 6, 5. Voilà, plus que 1 et j'arrive, mon cher. Allez, c'est qui cette fois? Pas au à droite de celui masque. À droite de celui masque. Et j'arrive. Acheter réseau d'égouts. Alors, Solimansk, c'est ta péninsule, non? Ouais, j'y suis. Ouais. Bataille navale? Ouais, ben, petite artillerie qui devrait pas être là. Allez, vas-y. Oh, ça casse. Ça coule! Tu l'as eu. Et au nord de Solimansk, il y a une infanterie mécanisée. De Babylone, vu. Et aussi un négociant babylonien qui a tout. Ah, il faudrait que je te ramène une flotte aussi pour t'aider de ce côté-là, j'ai l'impression. Ça va, toi, côté navire, quand même, tu tiens? Avec les polonais? Ouais, j'ai des... Justement, tu regardes le même... celui que je viens de bombarder, là? Oui, j'y suis toujours. Ah oui, t'envoies ton armée? Non. Ah bah voilà! Là, ça destroyer. Ça rigole pas, là. Bingo. Peu de pollution maritime, mais bon. D'ailleurs, c'est tellement cool de se retrouver un lundi comme ça tous les deux. L'épisode sera visible demain mardi, le 12 juin. Ça, c'est excellent. C'est l'autre bonne nouvelle. Bon, tu les as bien poutrés de ce côté-là. Par contre, la Pologne... L'avantage, c'est que sans passer la montée, c'est... J'ai l'impression qu'il envoie des armées dans ta péninsule à toi, au sud de Babylone, c'est la ville polonaise. Cézanne, il faudra qu'elle tombe. Et je trouve que l'armée, elle longe le continent, ouais. Ah, bah t'as un super bateau, là. Ton lance-missile, t'aurais pu poutrer ce qui était à côté. Hop, où ça? Bon, c'est fait, t'es passé. C'était au sud du continent de Babylone. Des villes affamées, pourquoi? Pourquoi Pokrovka est affamée? J'ai un trou de mémoire. Comment on voit le panneau d'affichage de la ville? Ah oui, c'est ça. Alors, pourquoi elle est affamée? Plus 2... Sont heureux. C'est vrai que je regarde jamais. Tu regardes les statuts d'information de la cité, toi, ou quoi? De temps en temps, oui. Jamais. Alors, je me pose une question. Tu me parles de la nouvelle extension que tu as. On va la démarrer en août, normalement, si on finit assez à temps. J'ai découvert quelque chose récemment sur ma chaîne. Je suis ça comme ça. Bon, je pense pas qu'ils vont nous écouter. Mais il se trouve que l'éditeur de jeu 2K Games s'est abonné à ma chaîne. Non. Alors, au cas où, messieurs France 2K Games, vous m'écoutez. Si vous pouvez m'offrir l'extension du jeu gratos, je serais content de faire là-dessus un respect pour vous. Moi je l'ai payé quand même. Le message est lancé. À la limite, 2 clés comme ça, je pourrais faire un concours. Imagine, ça serait génial. Non, je vais leur écrire, je vais voir ça. On sait jamais, ça serait intéressant. Bon, moi je l'ai payé quand même. Mais je sais bien. Mais développe ta chaîne, mon ami. Développe. Je suis sur Hong Kong. Qu'est-ce que je fais du coup? Infanterie en position. Est-ce que j'ai des armées à rapprocher? Attends un petit peu, j'arrive là. C'est bon. Non. Je trouve pas Hong Kong. Je trouve même plus Hong Kong. C'est où ça? Lance missile Sam. Voilà. Et puis du coup, on va peut-être les grouper. Ah, ok, c'est bon.
Écoute, écoute, je bombarde Churupak. J'ai des bateaux qui peuvent bombarder. Alors, on y va. Ouais. Ouais. C'est la côte ouest, tout au nord. Ouais, c'est beau. Voilà, défense moins 16. Là, j'ai quoi? Ah, j'ai des avions qui peuvent attaquer les bombardiers. Attaquer. Le bombardier a réaction prêt à attaquer à Churupak. Ouais, c'est parti. Ma première attaque avec bombardier sur porte-avions. Hein. C'est bon ça. Oh mais dis donc, les dégâts c'est monstrueux. Attends devant le bombardier furtif. Ah j'ai que un bombardier sur le... D'accord. Ben, je suis gourmand. Ouais. Du coup j'ai un ranger, est-ce qu'il peut débarquer lui avec la ville à côté Oh j'aurais bien envie. Un sous-marin nucléaire juste à côté de ton porte-avions ici là. Ouais, est-ce qu'il peut bouger Oui. Il y en a même deux même. Tu peux bombarder les villes sans problème. Tu crois? Et il me propose pas l'attaque à distance pour l'instant. Par contre, je vais mettre la pression. Je vais laisser le sous-marin à côté. Ah oui, tu peux attaquer à distance. Ah si, ça y est, ça y est. Ah oui, il faut que je me rapproche vraiment. Oh la vache. C'est génial. Ça crée des gars en plus. Alors, j'ai encore un croiseur lance-missile de dispo. Ouais, hein, go. Il t'as pas mis de destroyer en position? Je sais plus. Je sais plus du tout où j'en suis. Non, tu sais. T'as pas de destroyer. Les destroyers sont utiles, ils capturent les villes. Ouais. Mais j'ai des ils éliminent les unités aériennes. Eh ben, je vais en fabriquer. Destroyer, là, capture les villes. Détecte et s'attaque aux unités aériennes et sous-marines. Ouais. J'ai un sous-marin nucléaire qui est dispo par là, je l'enverrai bien. Voilà, va venir là. Tépi de Babylone, 18 tours. Bah alors. Parce que là, on lui fait de la pression à ce sous-marin là. Ouais. Un outback, ok. Lui. Là, je suis dans les bâtisseurs. Pour te dire où j'en suis. Inquisition, allez, go. Nous sommes les plus forts, nous sommes les meilleurs. Va là-bas, personne. Qu'est-ce que c'est que ces religions qui saignent chez moi? Pas cesser faire, là. On garde nos bonus de religion. Hop. Le crabe doré le plus fort. Alors, un hélicoptère contre des barbares. Oh bah là, fouf. Je récupère... Si, j'ai un cuirassé. J'ai une armée de cuirassés que je vais déplacer. J'avais envoyé en fait embêter les sites, c'est vrai. Bah écoute, je le ramène sur la côte ouest de Babylone. Allez, go. Je lance le tour, si ça veut bien. Je crois qu'il y a une petite latence. C'est bon. Mais j'ai encore des unités qui ont besoin de bouger. Pourquoi? Ah, j'ai encore un sous-marin nucléaire, excuse-moi, qui va attaquer Churupak encore. Et je te signale que je vais pas lancer le projet Opération Ivy dans le tour suivant. Avec le missile, j'ai pas entendu, tu vas me le répéter après. Ah. Tu vas lancer le projet quoi? Le prochain tour, je vais pas lancer le projet Ivy, ça va me permettre de pouvoir fabriquer la bombe H. Oh, ça rigole plus. Vas-tu bombarder les Babyloniens du coup? Ouais. Ah. Déjà prévu, j'ai déjà une opération de prévue pour les Babyloniens. Bon, j'ai un artiste qui est dispo, on peut faire un chef-d'œuvre, ouais, si tu veux. J'ai hâte de montrer ça, hein, tant que tu te dépêches un petit. La toilette des mariés, bah non, je regarde un beau tableau là. Non, je rigole. Mitrailleuse. Est-ce que j'ai des défenses dans ma ville? Oui. Ouais, bah on va la couper, hop, c'est fini, on règle ça. Et j'ai une promotion d'unité. Je suis encore à Hong Kong et je peux la bombarder ou pas? Comment ça, non? Pokrovka, un tank, on va... Ah, je suis déjà en blindé moderne. Voilà, ça y est. Le tour passe. Oui, on passe nos épisodes à 45 minutes maintenant. Ce sera bien plus simple. On gagnera un tour de plus. Bon bah je surveille comme d'hab Hong Kong, moi mon armée, leur campement rasé. Bah quoi? Ouf! C'est sûr qu'on va gagner le tour en 45 minutes? Je sais pas. Il y a eu un drama chez les Babyloniens.
Il y a eu un gros problème à Hong Kong. Ah, je vois ça. Il y a des révolutions chez eux, ça va mal. Ah, ça va être l'arrêt de ça. Faudrait qu'ils se barrent, qu'ils m'embêtent pas dans mon armée, là. T'imagines la claque dans leur morale. La Pologne, on est en guerre. Non, toujours pas, ça va. Pour l'instant, ils nous embêtent pas. Ouf. J'ai les Anglais aussi, c'est quoi? Wow. Non, c'est chez toi. Ah ouais? À Liverpool. Game Pass qui veut faire la paix. Non, non, mais non, merci. T'as un problème à Liverpool. Liverpool. Ouais, je vois ça. Wow. J'ai un char, attends, je peux envoyer un char. T'es prêt à fumer? Wow. 200 d'assaut, barbare. Il y a lance-roquette. Ça va pas, non? Oh la vache. C'est des gros bébés, hein. Attends, mais ils sont costauds. Tu enregistres? Alors où? Ben Liverpool. J'y suis. J'ai essayé d'envoyer un tank, mais j'ai du mal. Hein. Ça serait pas dû à une attaque nucléaire? Il y a des écolos véganes qui vous attaqueraient. Bon, ils sont vachement costauds. Hein. Putain, ça rigole pas. Non. Avec un lance-roquette. Ça rigole pas. Ah ouais, faut que tu envoies des armées là. J'ai un sous-marin dans le coin, mais il peut rien faire. J'ai un lance-missile SAM. Mais un lance-missile SAM, ça fait rien, c'est pas un lance-roquette ça. Non, ça va. C'est bon pour se protéger quand les unités aériennes. Ouais, je l'ai mis à Mirive en défense, mais il peut rien, il peut rien. Un accord du Norvégien, moi. T'es vu sur les masques? Je vais y aller. J'ai écouté ce que voulait Norvège, ils ont fumé eux. Solimansk. J'y suis. Ah oui. Ah, il encaisse bien. Hein. C'est bien parce qu'il perd des ressources pendant ce temps-là sur cette bataille navale. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Oh, l'opération Ivy. Ah, t'as réussi, bravo. Du coup, je reviens sur ma petite guerre. Non, mais il me reste à peu près 9 tours pour avoir l'opération Ivy. Est-ce que je bombarde Hong Kong? Je bombarde Hong Kong. C'est d'avoir moins de... Je vais devoir gérer le problème avec les barbares. Ça... Ah, tu dors. Je reviens sur Hong Kong. Mais Hong Kong, mon Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe là? J'essaie d'avoir l'opération Ivy avec le moins de tours possible. Ouais. Bon, on va éliminer une phase barbare. Ça, c'est bon. Ça régène. Je peux pas tirer de là. Ranger régiment accroché à un lance-missile SAM, ça c'est pour les aviations. Un apôtre qui se trimballe, bien sûr. Tout est normal. Bon, bah c'est le débarquement, hein. Un croiseur lance-missile. Moi j'ai des problèmes de. Bon, ça rigole plus la Babylone, hein. C'est un bon épisode de guerre, là. La reprise me plaît. Alors, est-ce que je vais pouvoir envahir Choropak? À ton avis, je vais bombarder avec mes sous-marins nucléaires. On va bombarder les deux, allez, tant qu'à faire. J'adore ça. Oh la vache. J'aimerais pas vivre ça dans la réalité, t'imagines les mecs quand ils voient le missile arriver. Pazeric, la ville que j'ai bombardée. Alors attends, j'envahis... Qu'est-ce qui se passe? Dégâts de ville Toto. T'es où là? Ah bah apparemment j'ai rasé Choropak. Non. Je te confirme, il est rasé. Non, c'est vrai, elle existe plus. Ben en tout cas toutes ses défenses sont vite. J'envoie une mitrailleuse. Ah, elle a pu attaquer Choropak. Mais je rentre pas dedans, mince. C'est pour ça qu'il faut destroyer. Ah oui, mais j'ai un cuirassé à côté aussi, mais bon.
Bon bah bonus de mon esprit. Il peut se soigner en dehors des territoires. Oh oui. Promotion toujours. Je peux pas. D'accord. Bon bah j'ai de la gestion de ville maintenant vite fait. La Rochelle. C'est pas si au port on s'en fout. Oh, il y a pas grand monde à La Rochelle. L'opération Ivy, c'est ce que t'as fait. Permet construction de la bombe H. Festival pour plaisir. Bon bah on y va, hein. Tac, c'est parti. Qu'est-ce que j'ai d'autre à Zanzibar? Aéroport. Une bourse, de l'argent, centre de diffusion, plus 3 et de la culture en plus, entretien. On s'en fout de la culture, archéologue, allez. Moi je suis prêt à attaquer à pas Eric. Bah je sais que t'es plus rapide que moi. Complexe portuaire. Voilà. Gestion des troupes. Alors, Hong Kong maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Lui, il peut pas. Bon, il va régène. Passe son tour. Un apôtre, il peut rien faire, il passe son tour. J'ai une armée qui va bouger. Le gamer fou Matisse, tiens. On va blinder. Je vais repositionner les troupes près de Hong Kong, excuse-moi. Clac. Mon bombardier, tiens, est disponible. Il peut attaquer quoi, lui? On va prendre le porte-avions. On va amener là-bas. Et je vais m'occuper de Candy. On va bombarder Candy. Un ennemi à la fois alors. Bah ouais mais Ah bah il peut plus, de toute façon il a bougé. Ok, la ville de Candy, ok. Ouais. Je pensais que tu voulais c'est vraiment le plus. Bon. Je finis de bouger mes troupes, ça commence à me saouler, c'est tellement long. C'est plus de la gestion ça, c'est de l'horreur. Moi je suis prêt encore en bas. Bah je sais mon pauvre. Allez, encore une chef-d'œuvre. Oui, on a fait l'autoportrait. Très bien, c'est mignon. Inquisition. J'ai un truc à attaquer. Les barbares. Bon, il encaisse l'hélicoptère, du coup. C'est un des lances. Des anti-charges, j'attaque. Alors, côté dégâts, ça va être quoi? T'es où là? Moi, j'étais au nord de mon continent à Newtoy, et puis là, je suis avec mes petits bons hommes, mes petits bâtisseurs. Un inquisiteur de plus. Allez, bah, on a un seul. Ah, j'ai enfin un archéologue. Tu en as fait, toi, ou pas? Non. Allez, je vais extraire un artefact. Et maintenant, j'ai mes armées près de chez toi, vers la city. Bah, on y va, hein. On y va. Ton auto est un copain ou pas? T'es où là? J'arrive vers les villes sites où tu as envoyé ton armée. Ok. Voilà, j'ai gagné un chef-d'œuvre. Et maintenant j'ai quoi? J'ai un bombardier qui est actif. Et qui peut rejoindre mon deuxième. Ah oui, je vais envoyer mon bombardier sur porte-avions près de Churupak. Il arrive. Ah, il fait aucun bruit. Aménagement de territoire. Et cette fois, je pense que c'est bon. Ça y est, on change de tour. Et bah je... Moi, je suis prêt à attaquer. Là, je t'attends pour attaquer. Alors, dans quelle ville? Absolument. Pas Eric, la ville que j'ai réduite en cendres. La ville radioactive. Elle est où déjà? Ah oui, les sites, ouais. Ouais, j'y suis. C'est bon? Bah, y'a plus de défense, hein. Tu peux attaquer, hein, maintenant. Ouais, mais j'ai plus de points de mouvement. Ah ouais. Liverpool. Liverpool. La révolte. La révolte bon. Russe, en fait. Ouais, vas-y. Ah, pas de points de mouvement. Shit. Peu. J'ai des problèmes de clics, là. Eh bah, bon. Parce que le tour ne s'est pas passé, c'est ça. Y'a eu un bug de tour, encore. Attends, c'est moi, alors. Ah, crotte de bique, c'est chiant quand c'est comme ça, voilà. Ouais, c'est vrai, j'ai une double attaque avec celui-là.
Jacques Ollon qui est ici. Bon. J'ai fondé une nouvelle ville encore, dans ma grande île. Allez, un monument, puis on verra après. Bah du coup, je peux plus rien faire, d'accord. Un blindé moderne. Là, ça y est, c'est bon. Ça devrait être bon. Ça sert à réaction qui attaque... On doit être à plus de 40 minutes, mais du coup, on va finir ce tour-là. Qui attaque, c'est pas. Ouais. C'est bon ? Bah le tour tourne de toute façon, six par. Mais non, moi, parce que je t'attendais là pour les actions. Bah, je sais bien. T'es tabernacle. Pas pas. Ouais, mais dès que le tour est passé, mon cher. Voilà. T'es en train de se calculer. T'as même pas entendu, j'ai dit tabernacle. Moi, j'ai pas encore pu commencer là parce que tu. Je t'attendais. Ouais, je regarde, j'ai vu que t'as déplacé un hélicoptère vers la ville nucléarisée. De toute façon, c'est pas, on attend. En tant que ça finisse calculer, qu'est-ce qui se passe à Hong Kong? Est-ce qu'ils vont m'attaquer moi? Ah, ils ont osé m'attaquer. Je pensais que les rebelles allaient attaquer la ville de Hong Kong, mais non. Prêt à filmer à Uruk? Uruk, c'est leur continent? Ouais. En attente de Richcool. Ah, t'as pas passé ton tour. D'accord. Mais non, parce que j'ai plein de combats, je t'attendais pour attaquer. Ah, il fallait me dire. Oh, mon dieu. Il tire vachement loin. Ouais. Et t'as infligé 67 points de dégâts aux avions, d'accord. Vas-y. Adab. Adab. Ouais, plutôt c'est pour... C'est pas, je veux. Ouais. Pour ça que j'aime bien les bombardiers. En fait, je sais même pas si c'est raisonnable de faire un tour supplémentaire, vu le délai qu'on tourne là. C'est de ta faute aussi, là. Oh. Dès que je suis mou. Ok. Mouvement dans la flotte, ok, vu. T'es toujours à Sipar ou t'es vers Solimansk là? Là, je me rends vers Pazeric. Ok. Je suis un sous-marin. Je prépare mon combat contre ces petits salopards. C'est bon. Ah oui, t'as fait des dégâts, là. Ils ont moins 50. Qu'est-ce que t'as fait? Quoi? Ah, c'est les radiations qui leur donnent des pénalités. Ouais. Ah, ouh. Et les contaminations, il y a encore pour 8 tours. D'accord. Ça va s'effacer tout seul, on dirait. Un article récent révèle que Hong Kong est assiégé. Bah évidemment. Il y a un super siège à Hong Kong. Mince, j'aurais bien voulu finir cette victoire de Hong Kong, mais... On peut le finir, ça. J'ai une unité qui a été capturée. Qu'est-ce qu'ils m'ont capturé? Un lance-roquette. Ah mince. Ils m'ont capturé un lance-roquette, c'est con. J'ai une urgence à Hong Kong, excuse-moi. Et moi, t'as dit bien pause, j'ai des urgences. Bah, vas-y, tape sur tes barbares pendant ce temps-là. T'es prêt à filmer? Ah, punaise, ils m'ont foutu une claque. Deux secondes. Oh, punaise. Il faut que j'avance. Il faut que j'aurais dit... Les barbares, c'est un gros problème. Finalement, c'est une surprise. On va avancer les mitrailleuses. Est-ce qu'on peut piller quelque chose? Piller la route. Génère de la foi. Promotion. Hop. Alors du coup, je reviens vers toi. Tu voulais où? Les rebelles. Vas-y. Ouais. Les rebelles à Liverpool. Oh, ils se dispersent partout. T'as vu ça? Ouais. Mais regarde bien qu'est-ce que je leur réserve. C'est un lance-roquette à moi qu'ils ont chopé, et punaise, c'est au sud de ta ville à Liverpool. Mon lance-roquette! D'accord. Attends. Non, c'est celui des rebelles. Bah non, mais ils me l'avaient capturé, c'était le mien. Non, ce qu'ils ont capturé, c'est ton médecin. Tu crois? Moi j'ai eu un message que quoi, ouais. C'est lance-roquette.
Les barbares ont pillé la plateforme commerciale de l'une de vos villes, à Myrive. Ah, oh, ils font chier. Attends, on va... On peut ou pas? On peut. Là. Myrive à les Canaries. Je m'attendais pas à ça, là. Mais moi non plus. Alors comment ça se fait que t'as eu une révolte, là? T'as regardé un peu ton rapport de ville? Si elles sont heureuses ou pas? Victoire mineure, non. D'ailleurs, je vais jeter un œil au rapport, vite fait. Là. Non, il manque d'activité. Ah bah oui, voilà. Que chez moi, ça va. Bon, je te propose un truc. Je finis ma bataille sur Hong Kong vite fait, puis on va arrêter là. Parce que là, ça va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Je peux pas acheter de complexe de loisirs. J'ai pas assez de populace. Frappeur gargouille. Hey, je vais voir ça, moi. Allez, gargouille. Costaud ces trucs là. T'attaques à Hong Kong? Je suis rendu à attaquer. J'attaque en fait les ennemis et barbares. Ils me filent des claques là, mais c'est monstrueux. Blindé. Attends, je regarde vite fait. Blindé moderne si j'attaque Hong Kong, défaite majeure. J'essaie de délocaliser un peu. J'essaie d'encercler Hong Kong là. Bon, un blindé est tombé. Voilà, mouvement de troupes. Qu'est-ce que je peux faire? Là, j'ai pas de troupes disponibles. T'as un lance-missile en position? Ouais. Non, mais je suis coincé, c'est terrible. Est-ce que je peux finir avec Shurupak, une invasion en règle? Tiens, ça serait bien. Tu peux envoyer ton ranger s'emparer de la ville? Ouais, il a pas pu. Il n'a pas pu du tout. Non. Ah, c'est pour ça que t'as envoyé ton tank. Ouais. Bon, j'ai détruit la dernière défense. Blindé, là, il va pouvoir prendre la ville. Alors, le tank... Et après ça, tu vas pouvoir attaquer Candy avec toutes tes troupes navales. Allez, j'envoie le tank sur Shurupak, j'espère que ça va marcher, j'ai détruit la défense. Allez! Alors, qu'est-ce qui se passe? La ville est en ruine, mais par contre, tu l'as. Bon, bah ouais, c'est une guerre totale. Je te propose qu'on arrête là. Eh ouais, ça va être trop long. On va faire un épisode d'une heure sinon. Eh ben, on vous remercie de nous avoir regardé l'épisode 37 finalement, la Babylone, la tendance s'inverse. Et puis, on a une émotion avec les barbares. Mon cher Ishkou, on se dit au prochain épisode. Ok. Merci de nous avoir regardés. Et au plaisir. Bye bye tout le monde. Tchuss, Riscool. Bye bye. Bye.